Bonjour à tous et bienvenue sur CB Math. Dans cette vidéo, nous allons aborder un nouveau problème du TFGM 2 2018. TFGM 2, le tournoi français des jeunes mathématiciennes et mathématiciens. Alors, ce sera le problème numéro 7 qui se nomme le cavalier sans tête. Dans ce problème, on va utiliser notamment de l'algèbre linéaire. Alors voici l'énoncé du problème. Le cavalier sans tête. Ada joue aux échecs. Elle étudie le déplacement de sa pièce préférée, le cavalier, sur un échiquier infini dont les cases sont indexées par Z2. Plus exactement, soit A et B, deux entiers tels que 0 inférieur strict à A, inférieur ou égal à B. Ada étudie une pièce qu'elle appelle cavalier de type AB, qui peut à chaque tour se déplacer de A case parallèlement à un axe de l'échiquier, puis de B case dans une direction perpendiculaire. Par exemple, le cavalier usuel du jeu d'échecs est le cavalier de type 1-2. Le cavalier part de la case 0-0. En fonction de A et B, le cavalier de type AB peut-il atteindre toutes les cases de l'échiquier infini ? On pourra s'intéresser aux valeurs suivantes de AB. A, 1-1, B, 1-2. Cette question a été étudiée dans l'article Counting the Number of Squares Reachable in K. Knight's Move de A. Miller et D. Franceworth. Par conséquent, elle ne sera pas prise en compte dans l'évaluation, mais il est recommandé de la traiter pour bien comprendre les enjeux du problème. C. 1-3, D. 2-3, E, A et B quelconques. Sur chaque case de l'échiquier, Ada écrit le nombre minimal de coups qu'elle doit jouer avec le cavalier pour se rendre sur cette case depuis la case 0-0. Si le cavalier ne peut pas atteindre une case, elle écrit infini dessus. Dans toutes les questions suivantes, on pourra commencer par étudier le cas des cavaliers considérés dans la question. 2. Ada note UK, le nombre de cases de l'échiquier portant le nombre K. Encadrer la suite UK. Comment se comporte la suite quand K tend vers plus infini? Est-elle croissante? 3. Dans les différents cas, que vaut le nombre écrit sur la case 0-1? Proposer un encadrement. 4. Ada dit qu'une case C est régulière si pour toute case C' voisine de C, la différence entre les nombres écrits sur C et sur C' vaut exactement 1. Combien y a-t-il de cases qui ne sont pas régulières? Si ce nombre est fini, estimez ce nombre. Sinon, quelle est la plus grande différence entre deux cases voisines que l'on peut observer une infinité de fois? 5. Pour un entier n appartenant à n étoiles, Ada note bn l'ensemble des cases de la forme xy avec x et y appartenant à z et valeur absolue de x et valeur absolue de y inférieur ou égal à n. Le temps d'intervention dans bn d'un cavalier est le plus grand nombre écrit sur les cases de bn. Pour quelle valeur de ab ce temps d'intervention dans bn est-il minimal? Ada note tn cette valeur. Estimez tn en fonction de n. 6. Proposer et étudier d'autres directions de recherche. Alors, présentation du problème. Alors, ici on se propose d'étudier les déplacements d'un cavalier de type AB, avec A et B entiers naturels non nuls dans un réseau Z2. Donc A et B vérifient 0 inférieur strict à A inférieur ou égal à B. On pourra modéliser par une suite de points ou un échiquier, donc c'est-à-dire une série de cases. Donnera des conditions sur A et B pour que le cavalier soit libre. On va voir la définition tout à l'heure. Et on pourra aussi utiliser de l'algèbre linéaire et des algorithmes pour décrire quelques situations. Donc les endroits atteints par le cavalier ou algorithme de coût minimal. Alors, pour ce qui est des définitions, on va dire qu'un cavalier de type AB avec A appartenant à une étoile et B appartenant à une étoile, avec 0 inférieur strict à A inférieur égal à B, est dit libre s'il peut atteindre tous les points de Z2. Alors, les pistes de réflexion, donc on va commencer par le cavalier de type 1-1. Et donc ici, on se propose dans cette partie d'étudier le comportement d'un cavalier de type 1-1. Donc il y a trois déplacements possibles, donc 1-1, 1-1, moins 1, 1,
moins 1, moins 1. Donc, c'est-à-dire, par exemple, si on commence à la case 0, 0, donc si on commence à la case 0, 0, eh bien, on peut ajouter, donc ici, on appelle ça des vecteurs de déplacement, on ajoute des vecteurs de déplacement, donc ici, plus, par exemple, 1, moins 1, donc ici, on fait l'addition usuelle, coordonnées par coordonnées, donc 0 plus 1, ça fait 1, 0 plus moins 1, ça fait moins 1. Donc ici, il va se retrouver sur la case 1, moins 1. Donc par exemple, si on refait 1, moins 1 avec 1, 1, et bien là, on va se retrouver sur la case 2, 0. Alors, quelques déplacements possibles. Donc là, on va modéliser 5 déplacements consécutifs sur un échiquier de 5 x 5. Donc voilà, on voit les cases ici. Donc là, c'était plutôt des points. Donc là, c'est 0, 0, 1, 1, 1, moins 1, moins 1, moins 1, et moins 1, 1. Voilà, donc ici, on se déplace. Et donc ici, on voit que pour toutes cases qui sont entre les nombres, donc par exemple 5, 5, 4, 4, etc., ben, on ne peut pas les atteindre. Donc ici, on peut les noter infini. Voilà. Alors, ces cases, ici, ont une particularité. Et donc, ici, on peut déduire que on ne peut pas atteindre toutes les cases avec un cavalier de type 1-1. Donc, ici, toutes les cases ne sont pas atteintes. Des cases de type KJ avec K et J de parité différentes ne sont pas atteintes. Pour le KM coup, il y a 4 puissance K possibilités. Mais seulement 4 fois 4 cases des déplacements se font dans des cases non visitées. Donc 4 fois 4 déplacements se font dans des cases non visitées. Une case de type JK avec J et K, donc de parité identique, de même parité, sera visitée au bout du, donc ici, max de la valeur absolue de J, valeur absolue de K, coup. Les cases 1, 0 et 0, 1 ne sont pas visitées. Alors, un peu de algèbre linéaire. On appelle base d'un espace vectoriel E, une famille de vecteurs linéairement indépendants qui permet d'obtenir n'importe quel vecteur de l'espace vectoriel par combinaison linéaire. C'est-à-dire que cette famille de vecteurs, elle est libre et génératrice de l'espace vectoriel E. On est la base canonique d'un espace vectoriel E, c'est une base présentant de manière la plus naturelle l'espace vectoriel. Donc ici, dans R2, la base canonique est E1 est égal à 1, 0 et E2 est égal à 0, 1. Alors pour un cavalier de type AA, il y a 4 déplacements possibles, ils sont représentés par les vecteurs A, A et A moins A, moins A, moins A. Alors maintenant on va appliquer quelques algorithmes. Donc ici un algorithme qui permet de représenter les endroits visités par le cavalier au bout de n coups. Et donc on va faire un graphique avec des croix donc sur le réseau Z au carré. Donc une croix représente la case visitée. Alors sur ESCAS, programme. On a donc ici on a besoin de 4 vecteurs. Donc ici on va initialiser 4 vecteurs, sachant que pour le cas U0, U1, on aura besoin de 2 vecteurs. Alors pourquoi cela? Parce que ici, alors pour un cavalier de type AA, on avait besoin donc de 4 déplacements possibles, mais en fait on peut résumer à 2 déplacements, car ici si on considère ça comme des vecteurs, il y a deux vecteurs collinaires entre eux, donc ici AA collinaire avec celui-là, et A-1 collinaire avec celui-ci. Donc, on peut considérer que deux vecteurs, par contre si c'est un cavalier de type AB, eh bien on aura 8 déplacements possibles, AB, moins A, moins B, ici BA, moins B,
moins A. On a A moins B moins A B et B moins A moins B A. Donc on a 8 vecteurs possibles. Et donc ça se résume à ces 4 vecteurs ici. Donc dans notre algorithme, ça nous donne ça. Donc il y a 4 vecteurs à initialiser. Donc si les composantes sont égales, alors ici U1 ça va être égal à U. U2 0 bah, c'est égal à U0. U2 1 ça va être égal à moins U1. Donc c'est pour avoir les deux vecteurs de déplacement de base. Après, sinon, on peut initialiser U1 comme est égal à U. U2 c'est U2 0 devient U1 1. U2 1 ça devient U1 0, etc. etc. Alors ici on initialise avec L, on part de 0, 0, et K ça va être le nombre de, ça va être les cases visitées. Donc ici, j'ai pas trouvé d'algorithme plus optimal. On va de K égale à 0 à N-1, donc on fait N coups. Donc si les composantes sont égales, alors les 4 puissance K coups. Donc ici on ajoute les vecteurs de déplacement. Donc U1, U2, moins U1, moins U2. Et on prend L0, donc déjà traité. Et on efface L0 de la liste A. Donc K, bien entendu, c'est la liste des cases visitées. Et pour J, si les composantes sont différentes, eh bien on aura ces 8 déplacements à faire. Donc plus U1, plus U2, plus U3, plus U4, moins U1, moins U2, moins U3, moins U4. On prend L0 dans la liste des cases visitées et on enlève L0 de la liste L. Et ensuite, à la fin, on prend tous les éléments de la liste L qui restent. Et maintenant, D, c'est pour le dessin. Donc on va introduire tous les points de la forme K, K0, K, K1. Donc première composante de K, indice K, et deuxième composante de K, indice K. Sachant que les composantes ici commencent à 0. Et on retourne D. Alors par exemple, pour ici, pour 1, 1. On va dire 3, 3, voilà. Alors, on va le mettre en autonomé, voilà. Et donc, vous voyez, les cases visitées sont représentées par des croix. Donc, en 3 coups, on a visité toutes ces cases quand le cavalier est de type 1. Donc ça, c'était l'algorithme des endroits visités. Attention, le cavalier de type 1-1 n'est pas libre. Pourquoi ? Parce que si on commence son déplacement à la case 0, 0, 0 étant un nombre pair, on l'additionne à 1 ou à moins 1, on trouve un nombre impair. Donc on a visité une case de type impair, impair. Puis si on additionne un nombre impair à 1 ou à moins 1, on se retrouve avec un nombre pair. Et donc on se retrouvera dans une case de type pair, pair. Et ainsi de suite. Cavalier ne pourra pas atteindre une case de type impair-pair ou pair-impair, donc le cavalier de type 1-1 n'est pas libre. Alors, l'algorithme de coût minimal. Donc là, on va noter U1 est égal à 1-1 et U2 est égal à 1-1. Nombre de déplacements minimal vers la case AB est donné par la solution entière du système d'équations suivant. Donc XU1 plus YV1 AB. Donc c'est x1,1 plus y1,-1 égale à AB. Ou un système d'équation. X plus y égale à A, x moins y égale à B. Solutions de l'équation sont, donc x est égal à A sur 2 plus B sur 2, y est égal à A sur 2 moins B sur 2. Et ainsi, si les deux x et y de solution ne sont pas de même parité, bien ici, paire plus paire est égal à paire, donc ce sera divisé par 2.
impair plus impair ou impair moins impair, c'est égal à un nombre pair. Donc ici, ça va être aussi divisé par 2. Mais si on a pair plus impair, pair moins impair ou impair plus pair, impair moins impair, eh bien, on aura un nombre impair. Ici, ce ne sera pas divisé par 2, donc ce ne sera pas une solution entière. On peut regarder ce phénomène avec la calculatrice. Donc, si on va dans équation, on fait... par exemple, on va atteindre 5. Et ici, on va faire moins y. Et là, on va faire 2. Donc 5, 2. Et bien, vous voyez, les solutions ne sont pas entières. Et donc, on ne peut pas atteindre cette case avec des vecteurs de type 1, 1 et 1, moins 1. Donc, avant de présenter l'algorithme, on pourrait faire avec les vecteurs de type, les cavaliers de type AB. Donc, ici, on aurait, on avait dit qu'on avait 4 vecteurs, U1, AB, U2, A, moins B, U3, BA, et U4, est égal à moins B et A. Alors, si on veut atteindre une case alpha beta, par exemple, eh bien, il va falloir résoudre les différents systèmes d'équations suivants. Donc ici, x u1 plus y u2 est égal à alpha beta. X u1 plus y u3 est égal à alpha beta. X u1 plus y u4 est égal à alpha beta. X u2 plus y u3 est égal à alpha et beta. Et x u2 plus y u3 u4 est égal à alpha beta. Et x u3 plus y u4 est égal à alpha beta. Donc si un des 6 systèmes suivants a une solution entière, eh bien la case, ici la case est atteinte en un minimum de coûts, donc le coût minimal ici, si alpha, alors si par exemple x et y entier, eh bien coût minimal, eh bien c'est égal à valeur absolue de alpha plus valeur absolue de bêta. Alors avant d'aborder l'algorithme de résolution, donc de coût minimal, on va résoudre l'équation, le système d'équation suivant. Donc ici ax plus by, cx plus dy est égal à, on va dire alpha et on va dire bêta. Donc alpha et bêta. Donc ici, on peut dire que y est égal à bêta moins cx sur d. Donc on peut remplacer ici y, donc ax plus b fois bêta moins cx sur d est égal à alpha. On a alors, donc ici on ne réécrit pas, ax plus b sur d bêta moins bcx sur d est égal à alpha. On va écrire ça 1. Donc on peut mettre tout sur d. Ad x plus b bêta moins bcx sur d est égal à alpha. Donc ici, on peut b bêta d n'est pas en fonction de x, donc on peut le mettre de l'autre côté. Donc adx, ad moins bc fois x sur d est égal à, donc ici alpha moins b bêta sur d. On peut multiplier par d. On aura ad moins bc x est égal à, donc, alpha d moins b bêta
et on pourra diviser le temps par AD moins BC, en supposant bien entendu que ABCD n'étant pas nul, et AD moins BC, donc ici AD moins BC c'est le déterminant de la matrice ABCD, donc ABCD, déterminant de ABCD, ABCD, pour ce déterminant là, c'est égal à AD moins BC. Donc il faut que ce déterminant soit non nul, pour qu'il y ait une solution pour le système d'équation. Donc ici, x est égal à alpha d moins b bêta sur ad moins bc. Donc x est égal à alpha d moins b bêta ad moins bc. Y, donc ici y est égal à bêta moins c alpha d moins bêta b bêta sur ad moins bc sur d. Après, dès qu'on a trouvé x, on peut mettre y est égal à bêta moins cx sur d. On peut vérifier ça, la solution sur xcas. Donc ici, solve ici a fois b plus c, non, a fois x plus b fois y égale à alpha. B, c fois x plus dy, d fois y est égal à bêta. Et on va le mettre en fonction de x et y. On obtient alpha d moins b bêta sur a fois d moins bc et alpha a fois bêta moins alpha fois c sur ad moins bc. Donc ici, on a bien ici alpha d moins b bêta sur ad moins bc. Donc on va céder de ces de cette résolution pour faire l'algorithme de coût minimal. Alors ici on va faire un dessin. On va remplacer donc les croix par des nombres avec le nombre C, le nombre de coûts minimal pour atteindre la case. Fonction coût minimal avec donc ici U et N. Alors U et N pour avoir les bornes du dessin. Donc local, on va dire k. Alors on va d'abord faire les 4 vecteurs, u3, u4. Donc u1, on va dire que c'est 0, 0. U2, 0, 0. U3, 0, 0. U4, 0, 0. Si U0 égale à U1, alors, donc, on fait U1 égale à U, U2, alors U2 0 égale à U, on va dire, moins U1, 0, et U2 1 égale à U1 1. Enfin, si. Alors, si c'est différent, on fait U1 est égal à U, U2 0 égale à U1 1, U2 1 est égal à U1 0, U3 0 est égal à U1, alors ici c'est moins, on va faire ici, moins c'est en bas, donc U1 0, U3 1 c'est égal à. Donc U3 1 c'est U1 1, U4 0, alors moins U1 1, U2 0, U4 1 égale à U2 1, donc ici moins U2 1. Alors fin si, et là c'était si. Alors, comme on va vers un dessin, donc ici on va mettre. Alors ici on peut mettre D c'est nul, on va dire X et Y. Donc D nul, for, alors pour K allant de 2, 0 jusque, donc 0 jusque N, faire
pour J de 0 jusque N, faire. Donc, on peut dire que X est égal à... Alors, bien entendu, là, il faudrait dire si U0 est égal à U1, faire. Alors, ici, X, c'est donc... On peut reprendre ici... Donc c'est le système à résoudre, c'est U1, 0, X plus U2, 0, Y est égal à, donc ici on va dire K, U2, non, U1, 1, X plus U2, 1, Y est égal à J. Ici donc J. Alors, X, on avait dit que c'était... Donc alpha c'est K fois donc D U2 1 moins B donc U2 0 donc J fois U2 0 sur donc le déterminant U1 0 fois U2 1 moins U 1, U2, 0 fois U1, 1. Y. Donc là, J fois U1, 0 moins K fois U2, 1. Alors, U1, 1 sur U1, 0 fois U2, 1 moins U2, 0 fois U1, 1. Donc là, c'est x et y. Maintenant, d. On peut dire hop de d. Avec la commande légende, ici, on va pouvoir afficher du texte. Là, c'est k et j. Fin pour. On va faire un test. Alors, pour 2-2, on a ce graphique-là. Alors, on peut mettre aussi pour 10. Voilà, et vous voyez, on a ce graphique-là. Alors, on va étendre ceci avec D ici. Donc, légende.kj, on peut dire légende ici, moins kj, ici. KJ, donc moins J, et ici, hop, là, moins K, moins J. Tester, donc en fait, c'est symétrique hein, par rapport aux deux axes, donc ici, voyez, ça donne ça. Voilà, et donc on a bien, là, le coût minimal pour chaque case. Alors maintenant, si on veut ici U0 différent de U1, donc là il faudra faire les différents cas U1, donc ici comme je vous l'ai dit, A U1 plus Y U2, alpha beta, etc. etc. On pourra le faire plus tard dans l'exposé. Donc là nous avons déjà le premier cas U0 est égal à U1 avec donc la résolution de X et Y. Le système d'équation U1 0X plus U2 0Y égale à I, donc égale à K, U1 U1 X est égal à U2 1Y est égal à J. Donc voilà pour l'algorithme de coût minimum. Alors ici sur GeoGebra on a représenté en rouge les points, donc ici impair impair. Et les points bleus paires paires, les cases, donc c'est les cases visitées par le cavalier 1-1. Alors pour ce qui est du cavalier 1-2, donc l'article de Miller et Franz Ward, je l'ai lu rapidement, donc j'ai ressorti cette image qui montre donc le coût minimum de chaque case donc, de l'échiquier. On voit que la suite ici est croissante vers l'infini ici
plus on s'éloigne de l'origine. On peut remarquer que le cavalier, dans ce cas-là, est libre, il atteint toutes les cases de Z2. Et dans l'article, il est montré que le nombre de cases C atteint par le cavalier en n coups est, pour n égal à 0, c'est égal à 1. Pour n est égal à 1, c'est égal à 8. Pour n est égal à 2, c'est égal à 32. Pour n est égal à 3, c'est égal à 68. Pour n est égal à 4, c'est égal à 96. Et pour n supérieur ou égal à 5, c'est égal à 28 grand n moins 20. Alors on peut remarquer que le cavalier est libre, il atteint toutes les cases de Z2. Si on note U1 est égal à 1, 2, U2 est égal à 2, 1, U3 est égal à 1, moins 2, et U4 est égal à 2, moins 1. Alors ici, pour un cavalier AB, comme on l'a vu tout à l'heure, on a besoin de 4 vecteurs, donc 8 déplacements possibles si on prend le collinéaire, donc c'est-à-dire moins 1 fois U1, moins 1 fois U2, etc., etc. Et bien ici, on remarque que U1 plus U4 moins U2 est égal à 1, 0. 1 plus 2 moins 2 est égal à 1, 2 moins 1 moins 1 est égal à 0. U2 moins U3 moins U1 est égal à 0, 1. 2 moins 1 moins 1 est égal à 0. 1 plus 2 moins 2 est égal à 1. Et ici, qui va avoir un problème pour notre algorithme de coût minimal, ici, pour donc si U0 est égal à U1, on avait droit à deux vecteurs, donc XU1 plus YU1 est égal à AB. Donc on a une solution unique si les U1 et U2 déterminants de U1 et U2 différent de 0. Mais ici, on aura besoin de trois vecteurs. Donc ici, on aura besoin de trois vecteurs pour exprimer le déplacement du cavalier 1, 2. Donc ici, on aurait un système d'équations XU1 plus YU2 plus ZU3 est égal à AB. Et donc, comme il y a deux composantes dans le vecteur U1, U2, U3 et U4, eh bien, on ne pourra pas résoudre le système. Donc, U1X plus U2Y plus U3Z égale à AB. Donc, il faudra oublier cette piste pour des cavaliers de type AB avec le 0 strictement inférieur à A, strictement inférieur à B. Si on veut atteindre la case AB avec A et B appartenant à Z2, on peut utiliser la combinaison linéaire suivante. Donc A U1 plus U4 moins U2 plus B U2 moins U3 moins U1. Ou encore A moins B fois U1 plus B moins A fois U2 moins B U3 plus A U4. Bien entendu, cela ne donne pas le coût minimal d'atteindre la case, mais juste une certitude qu'on peut atteindre toutes les cases de Z2 et donc que le cavalier est libre. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, l'algorithme de calcul de coût minimal tombe à l'eau pour ce cas, car il nous faut trois vecteurs différents pour décrire le mouvement de 0 vers 1, 0. Il y aurait une infinité de solutions au système d'équations, donc XU1 plus YU2 plus ZU3 égale à AB, XU1 plus YU2 plus ZU4 égale à AB, XU2 plus YU3 plus ZU4 est égal à AB. Alors, maintenant les cavaliers collinéaires à AB. On appelle cavalier collinaire à AB si le cavalier est du type KA et KB avec K appartenant à N. Alors, on peut regarder quelques exemples. Donc, on avait A1, les cases ici, et 2. On voit que les croix et cases visités sont de plus en plus espacés. On voit ici que les cases du type 2K, 2K' sont les seules atteintes par le cavalier. Donc K' appartenant à Z. On a vu que le cavalier A2 est libre. Et le cavalier de type 2-4, collinéaire au cavalier libre de type 1-2, est-ce que le cavalier 2-4 est un cavalier libre ? Eh bien, ici, non. Il espace juste les cases de 2. Et donc là, la réponse est non, car 2 et 4 sont tous les deux pairs, donc ils ne vont pas atteindre des cases du type 1-pair, 1-pair. Alors, qu'en est-il du cavalier de type 3-6 ? On va affirmer ou réfuter le corollaire que je me suis donné en début de recherche. Donc, si A et B ne sont pas de même parité, alors le cavalier est libre.
1, 2 n'est pas de même parité, 3 et 6 ne sont pas de même parité. Et là, on voit que le cavalier n'est pas libre. On voit les espacements ici des cases, donc, sachant que là, 0 et 5. Donc, vous voyez ici, en 1, on n'atteint aucune case. Donc, réponse non. Et donc, ce cas m'a permis d'affiner donc, le résultat final sur le cavalier libre. Alors, un cavalier de type AB est libre, donc ici, on donne 0 inférieur stricta A inférieur ou égal à B. Si et seulement si, donc B différent de 1 et PGCD de AB est égal à 1. Alors, pour la démonstration que je n'ai pas faite, on peut penser au théorème de Bézout. Donc ici, il existe une infinité d'entiers naturels U, V, tel que AU plus BV est égal à 1, si et seulement si, AB, PGCD de AB est égal à 1. Et on peut terminer avec le cas 2-3, et voyez si le cavalier est libre. Alors maintenant, le problème inspiré. Si on considère un cavalier de type 1-2 et un échiquier normal de taille 8x8. Donc à chaque coup, le cavalier peut choisir aléatoirement un déplacement possible. Donc 1 ou 2 cases vers la gauche ou la droite. Et donc 2 ou 1 case vers le haut ou le bas. Il se peut que le cavalier sorte de l'échiquier. Et donc ici, la partie est dite perdue. Le cavalier commence sur la case 1-1. Quelle est la probabilité qu'en 3 coups, le cavalier reste sur l'échiquier? Bien, alors, donc ici on aura 3 coups à faire. Donc, on va noter C1, le cavalier est sur l'échiquier, et sur le cavalier, et sur l'échiquier, qui est sur l'échiquier à la fin du premier coup. Premier coup. C2, le cavalier est sur l'échiquier à la fin du deuxième coup. Et donc C3, le cavalier sur l'échiquier à la fin du troisième coup. Donc ici, troisième coup. On est d'accord que c'est un bar, le cavalier n'est plus sur l'échiquier à la fin du premier coup, termine la partie, donc ce n'est pas un succès. Donc ici on peut avoir l'arbre de probabilité suivant. Donc ici C1, C1 bar, donc on ne fait pas de branche après C1 bar car la partie est terminée, C2, C2 bar, C3, C3 bar. Donc ici la probabilité de succès, c'est la probabilité de C1 inter C2 inter C3. Donc il faudra faire C1 inter C2 inter C3. Alors sur un tableur, on va donc ici, on commence. Alors au premier coup, on fait cette case là, cette case là, cette case là, ici, et cette case là. Et ces cases-là. Donc ici jaune. Voilà. Donc ici il y a 8 déplacements possibles. 2 sont sur donc 2 sont sur l'échiquier. Donc C1, c'est probabilité d'avoir C1, c'est 2 huitièmes. Probabilité d'avoir C1 bar, eh bien c'est 6 huitièmes. Donc la probabilité du succès, ça va être, donc ici, 1 quart fois donc C2, en probabilité de C2. Donc ici, les cases qu'on aura, donc ces cases-là, là en orange, et ici, alors celle-là, elle va compter pour 2. Ça va compter pour 2. Donc ces cases là. 3. Celle-là. Celle-là. Voilà. Alors, il y aura donc ici 4 cases. Donc là, 1, 2, 3, 4 cases en dehors de l'échiquier.
6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 cases à l'intérieur de l'échiquier, donc 16. Donc ici 12, 16e. 12, 16e. Ici on aura 8, 4, 16e. Donc 12, 16e, c'est 3 quarts. Donc 1 quart fois 3 quarts. Maintenant c'est 3. Alors c'est 3. Donc on aura ces cases-là. Donc là, en rouge. Ensuite, pour celle-là, on aura donc là deux fois. Ici deux fois. Donc. Ici en rouge. Celle-là. Donc là, on aura deux fois, deux fois. Et là, deux fois, deux fois. Cette case-là. Ici, deux fois. Deux fois. Trois fois. Ici, trois fois. Rouge. Cette case-là, alors cette case-là plutôt, un, deux fois, alors deux, trois, deux, ici. En rouge. Cette case-là, un, trois. 4, 2, 2 et 2. Rouge. Cette case-là. Là, il y en a 2, 2, 2, 5, 3, 2. Cette case-là, donc là on aura 2, 2, 4, 6, 2, 3, et 2, 6, 2, et la case celle-là, voilà, celle-là. On aura 2, 3, 5, 4, 3, hop. Et la dernière, celle-ci. 2, 2. Là. Il peut y rester 6, 4, 2. 2 et rouge. Donc voilà les déplacements possibles pour le troisième coup. Alors, ici, bon, en dehors de l'échiquier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Donc il y en a 27 en dehors de l'échiquier. À l'intérieur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc ici 13, 15, 17, 23, 27, 30, 31, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. Ici 54 sur 80. Ici on avait 27 sur 80.